Salut à vous tous, bienvenue dans le journal La Bande Dessinée. Aujourd'hui, notre invité est Pierre Tranchant. Et oui, le grand dessinateur de la bande dessinée Les Profs, Marine ou l'école Abracadabra. Il a une grosse exposition du côté de Saint-Malo. Et oui, pour le 41e festival Quai des Bulles. J'aimerais remercier Pierre Tranchant, parce que c'est grâce à lui que nous avons toutes les photos et toutes les vidéos de cette exposition. Pierre Tranchant, bonjour. Bonjour. En octobre, vous avez été invité à un grand festival, qui est un peu une sorte d'invité d'honneur, avec une très belle exposition à Saint-Malo pour le 41e festival de BD de Quai des Bulles. Ah, j'ai eu une super exposition, c'est vrai. J'étais ému, c'est incroyable, c'était superbe. Et en même temps, c'était un bel hommage par rapport à vos personnages, parce que je pense à la série justement Marine, qui a été créée avec François Corteggiani. Oui. Et en même temps, Saint-Malo, c'est la cité corsaire. Et Marine, elle avait sa place vraiment avec les pirates. Elle avait sa place, mais le seul problème, c'est qu'il n'y a plus d'album disponible. Elles n'ont même pas réédité, en fait, avec Clair de Lune. Ça a été réédité avec Clair de Lune, mais ils sont pilonnés, donc il n'y a plus d'album sur le marché, à part chez les bouquinistes. C'est comme ça. Mais c'est vrai que ça devait être magique. En tout cas, j'ai vu les belles images que vous m'avez envoyées. Je vous remercie beaucoup. Parce que c'est vrai qu'en même temps, ça nous est rêvé ici, en étant en Suisse. Dire, voilà, cette belle exposition, parce qu'aussi bien avec les profs, avec Erox, ce qui était magnifique, c'est qu'il y a carrément la salle de classe qui a été aménagée pour vous. C'était super. Ça, c'est grâce à Gégé et Antoine Rivalan qui ont fait l'expo. Le seul truc, dommage, c'est que ça a duré que 3 jours. Après, elle a été démontée. C'est un peu bête. Est-ce qu'on peut rêver une fois de voir cette exposition ailleurs? Eh ben non, puisque les planches, ils vont me les ramener ici. C'est des originaux, et les originaux, ils ne les gardent pas. Ah oui. Donc, on pourra faire une exposition chez vous, on viendra tous vous trouver. Chez moi, il n'y a pas bien la place. Mais c'est vrai que cette exposition était magique parce qu'on trouve aussi bien l'école Abracadabra, on trouvait Basto et Lazkowski. Oui. Et c'est vrai que tous vos personnages étaient vraiment représentés. Et c'est vrai que c'est magique d'avoir une exposition comme ça et qui vous rend hommage. Et en même temps, c'est vrai que vos personnages font tellement en fait partie de nos vies, aussi bien avec les profs qu'on a vus au cinéma. C'est vrai que c'est impressionnant d'avoir une exposition comme ça. Puis de voir vos originaux aussi, qui sont superbes. C'est encore plus impressionnant pour moi, je vais vous dire. Ouais. Parce que j'ai été honoré, parce que Saint-Malo, c'est comme le deuxième salon de France. Alors, ah oui. Avoir une grosse expo comme ça, c'est... En plus, j'ai des confrères qui m'ont félicité. Alors, c'était magique. Je ne parle pas du public qui était aussi enthousiaste. Mais bon, j'ai vraiment été heureux, quoi. C'est ça qui va être magique. Qu'est-ce que ça vous fait en fait? Vous dites, est-ce que vous vous rendez compte, vous avez fait toutes ces belles séries et de voir autant de planches? Ça va être magique, vous êtes une sorte de voix Disney française, ça veut dire tout ce que vous avez fait. N'exagérons pas, non. Non. Ça me fait. Je me dis que je n'ai pas travaillé pour rien parce que quand vous êtes. L'autre jour, j'étais dans un salon, il y a un jeune qui est arrivé, c'était à Gradignan. Il y a un jeune qui est venu simplement me dire. Merci, vous avez enchanté ma jeunesse. Alors je me dis, j'ai pas bossé pour rien, quoi. Mais c'est vrai que vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez percé plein de jeunesse de plein de personnalités, parce qu'en même temps, vous avez travaillé pour le journal Spirou, vous avez travaillé pour le journal Mickey, et c'est vrai que c'est des journaux qui sont très familiaux, et vos personnages sont vraiment familiaux. Ah ben, j'ai surtout travaillé pour Pif et Mickey, parce que Spirou, j'ai travaillé très peu, en fait. Ouais. Et Pif, Mickey, c'est vrai que c'était des journaux qui tiraient à 400 000 exemplaires quand j'y suis rentré. Donc, j'avais un public énorme. C'est d'ailleurs pour ça que je suis connu, parce qu'à l'époque, mes albums ne se vendaient pas. Mais que vous êtes quand même une référence de la bande dessinée, on peut dire, franco-belge. C'est ce que certains disent, mais enfin, une référence, il y en a plein de références. Parce que c'est vrai, chez nous, en Suisse, en fait, vos débuts avec la série Les Profs, ça a été publié dans un journal qui s'appelle L'Illustré. Illustré, oui. Donc nous, on a eu la chance, c'est que chaque semaine, on attendait l'illustré pour voir justement les profs, quoi. C'était magique pour nous. Oui, c'était magique aussi pour moi. Dès que je suis dans un journal, c'est magique. Mais j'ai beaucoup de mal à me rendre compte que j'ai influencé tant de gens, de dessinateurs, parce qu'il y a plein de dessinateurs qui me disent « Ah, je fais ce métier un peu grâce à toi, un peu grâce à toi. » Il n'y a pas qu'à moi, hein. Mais c'est vrai que vous avez une douceur dans vos traits qui est géniaux. Et en même temps, c'est vrai que, au départ, je vous parlais de Marine, mais c'est vrai que Marine, c'est une aventure qui est fantastique avec les pirates. Et j'étais en fait inventif parce que c'était un des premiers à attaquer une série comme ça avec une héroïne qui était Marine et qui vivait à travers les pirates.
À l'époque, Pif cherchait des héroïnes d'ailleurs. J'ai été engagé le même jour que Masque Julia avec Masque Rouge, qui était aussi une héroïne. À l'époque, il voulait des filles Oui. en héroïne. Donc, Donc vous avez innové en fait une on partie de a la bande innové. dessinée. Ah, j'ai innové avec Basto Zakouski aussi Ah oui. en faisant l'histoire en Russie, mais ça n'a pas été, C'est au niveau album, ça n'a pas été une réussite. Mais enfin bon, je regrette rien. vrai que Basto et Lassouski a été réédité en fait aux éditions Glénat. Et Oui. c'est vrai que pour tous les chanceux, d'avoir la maison, c'est fantastique de voir vos aventures. Alors, pour Basto Zakouski, j'ai réancré tout le tome 1 parce que Oui. les pages étaient le tome 1 était en couleur directe. Donc, comme il est en noir et blanc, j'ai tout réancré le. Et je peux vous dire que réancrer un album que vous avez fait 40 ans avant, ça fait drôle. Et c'est vrai que pour tous les chanceux qui vous suivent, aussi bien comme moi, comme des millions de personnes, il y a une maison d'édition qui s'appelle ABDL, qui ont Oui. sorti des albums en grand format. J'en ai là pour vous montrer, c'est vrai que c'est fantastique, et c'est vraiment les grands formats. Et c'est vrai que est-ce qu'on peut dire que c'est des formats presque en planche originale, c'est-à-dire bien vous Alors, travaillez. je vais me dire, les planches de Smith et Wesson, elles sont plus grandes que les originaux. Ouais. Mais c'est vrai que aussi bien pour Smith & Wesson, qui est une superbe série Alors, Smith western. et Wesson, il y a toutes les planches chez. Mais bon, le tirage est de 30-40 exemplaires. Ok, il n'y a pas grand monde qui les verra. Ouais, mais c'est génial parce qu'en même temps, grâce à vous et cette association, en fait, on a des chanceux qui peuvent voir ces albums. Ah Et en oui, même temps, bah, c'est pas cher, ça qui est impressionnant. toutes les planches qui sont parues dans Pif sont. Il y a même eu des albums avec des planches parues dans Pistil. Oui. Les tout premiers que j'ai fait. Mais c'est vrai que je suis un des chanceux qui a tous ces bouquins. Et c'est vrai que c'est magique de voir vos dessins qu'on retrouve en noir-blanc. Et c'est vrai que c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un travail qui est impressionnant, aussi bien dans les vaisseaux, aussi bien dans tout ce que vous avez dessiné. Et c'est vrai qu'aussi bien, vous êtes en fait un passionné du dessin, et ça se ressent par rapport à vos planches de BD. Et c'est vrai que je voulais vous dire merci parce que votre travail est remarquable, c'est très impressionnant. Eh ben, j'aimerais qu'il soit bien remarquable parce que moi, je vois plein de défauts. Mais j'ai toujours essayé de faire au mieux. Et là, je suis en train de Oui. dessiner encore. Je fais le tome 3 des profs au fond de l'histoire. J'essaye de faire au mieux. Après, il y a toujours des défauts, mais aussi les défauts font le style. Oui. C'est comme Mais ça. c'est vrai que pour moi, vous êtes un des grands magiciens de la bande dessinée française. Et c'est vrai que quand on voit vos dessins, et c'est vrai que quand on voit vos détails, j'invite à tous ceux qui lisent vos albums d'avoir deux regards, hein, la regard. En fait, de la bande dessinée, de chercher tous les détails que vous faites, c'est impressionnant. Oui, mais vous savez, moi, je collectionne les originaux de copains. Il y en a plein qui font des trucs magnifiques. Oui. J'ai échangé une planche récemment avec Patrice Pellerin. Lui, c'est magnifique. Hein. Ah oui, ça nous style Ouais. avec les pirates. Il y en a d'autres. Hein. Franck Bonnet, on a échangé une planche. Il m'a donné une planche avec un bateau. C'est absolument génial. C'est magnifique. Il y a plein de gens. Olivier Taduc, qui fait des choses Ah extraordinaires. oui. François Bouc, j'en parle même pas parce que j'osais même pas lui parler tellement il est fort. Donc, il y a des dessinateurs, il y en a plein. Moi, je ne me sens pas particulièrement prestigieux. J'en vois tellement des magnifiques, des plein de dessinateurs. Hein. Êtes trop modeste. Je ne sais pas si je suis trop modeste, mais il y a plein de gens qui me complexent. Par exemple, une planche de Franquin, je suis même pas. Au 12e millimètre de son talent, c'est incroyable. Et quand je vois les planches du Garzo, alors là, c'est pareil que Franquin. Je me dis, mais c'est des extraterrestres, les gens. Et ma dernière question, en fait, vous m'avez déjà dit avant, c'est que votre dernière BD que vous êtes en train de travailler, ça sera sur un prof, alors. Ben, c'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que j'ai publié en mai le tome 2 des profs au fond de l'histoire. Oui. Alors, Gilles ne voulait pas la faire à l'époque. Et puis on a fait un Facebook live. Et puis il y a un lecteur qui a demandé pourquoi il n'y a pas eu le tome 2 du prof refont l'histoire. Alors, il y avait Sty qui était là, qui frétillait, qui voulait absolument faire le scénario. Et moi, j'avais envie aussi de faire. Mais Gilles ne voulait pas. Bon, alors, je suis sauté un peu sur l'occasion. J'ai abandonné un album que je faisais à Christophe Cazeneuve. Et je suis parti sur les profs au fond de l'histoire. Et j'avoue que je prends un plaisir fou
à le faire parce que j'ai retrouvé le personnage et ça fait du bien. Et j'ai pas de pression de délai parce que le problème que j'avais avec les profs, pourquoi j'ai arrêté, c'est que je n'avais plus à fournir, suite à mon AVC, je pouvais plus fournir un album par an. Et ça, alors que j'en faisais quatre à une époque, l'époque de Marine, de Bastos, j'en faisais quatre. C'était incroyable. Je sais pas comment j'ai pu dessiner autant. Mais bon, j'en avais discuté avec Albert Uderzo, lui c'était pareil, il faisait jusqu'à 9 pages par semaine. Et quand on voit la qualité de son boulot. Et un jour, il a fait une expo et quelqu'un lui a dit, mais il n'y a aucune retouche sur vos pages. Il dit, j'ai pas le temps. Alors que si on regarde bien mes pages, moi, il y a des retouches, il y a des rustines, il y a un peu de blanco. Enfin bon, c'est pas nickel. Hein. Mais enfin, je suis pas comme Loisel qui met des couches successives sur ses pages. Non, moi, c'est assez propre. Ça veut pas dire. Mais là, ce qui compte, c'est le résultat. C'est ce qu'on voit sur le bouquin. C'est pas la cuisine. Et cet album est prévu pour quand? L'album qui est prévu pour 2024. Ah, super. Je suis sur la 18e page. Ouais. Mais j'avance très doucement cette année. J'ai eu quelques ennuis de santé, donc j'ai eu plein d'arrêts. Et puis, bon, je fais aussi beaucoup de salons, ce qui me permet de rencontrer les gens. Et je suis assez content. Et depuis quelques temps, je fais ce qu'on appelle des commissions. Ah, génial. Je fais des petits dessins en couleur que m'ont demandé les lecteurs. Et j'avoue que ça me fait super plaisir parce que j'ai retrouvé le plaisir du papier. Parce que là, je dessine sur tablette. Comme j'ai plus de main gauche, je peux plus dessiner les pages sur papier. Mais les commissions, je les fais sur papier et j'avoue que j'ai retrouvé le plaisir du dessin. Et puis je fais de la couleur aussi que je n'ai pas fait depuis 40 ans. Alors, j'ai retrouvé un peu mon âme d'enfant. Jeune dessinateur. Alors, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps. Oh ben, pas du tout. Merci C'est à vous. Merci de me faire une petite interview. avec un grand plaisir. Alors, au plaisir de vous revoir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. I will take you far.